Bonjour à tous, c'est Grégory, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Là, c'est la coupure, j'ai 30 minutes pour réussir cette vidéo. Il faut pas que je me loupe, faut pas que je me répète. Je viens de la préparer aujourd'hui, je vais vous parler de stratégie de prix. J'ai fait un petit flashback là sur ma chaîne YouTube pour trouver un sujet intéressant. Et voilà, la stratégie de prix, c'est un mot que j'emploie, une phrase que j'emploie très souvent. Et je vous ai jamais fait de sujet là-dessus, donc c'est l'occasion. Alors c'est un sujet extrêmement technique, je vais vous le simplifier au maximum en vous parlant de ce que je fais moi, de ce que j'applique ici à Mianfa de Montparnasse. Je vais vous expliquer point par point les stratégies que j'ai mises en place pour que le resto tourne à plein régime. Ça tombe bien parce qu'en fait j'ai fait un nouveau menu. Là récemment, et j'ai tout sous les yeux, donc je vais regarder en bas, vous m'excuserez, comme ça me rappellera un peu les points que j'ai préparés dans cette vidéo. Donc voilà, pour faire simple, je vais vous d'abord vous parler du positionnement du restaurant pour que vous compreniez le reste. La difficulté, c'est qu'ici, on a plusieurs segments de clientèle à proximité. On a du bureau. Ok, énormément de bureaux qui correspondent à 80% de notre clientèle du midi, du lundi au vendredi. Donc ça, c'est déjà un positionnement, une segmentation de clientèle. Ils mangent tous au ticket restaurant. Donc évidemment, leur premier critère de sélection, c'est le prix. Hein, sur une lecture de totem, ils regardent avant tout le prix. Ensuite, une fois qu'ils sont dans le restaurant, pour les fidéliser, là vient la quantité. Donc prix, quantité. Après, l'originalité, le fait que ça soit bon, etc., c'est des critères qui viennent bien après. Bon, bien sûr, chez nous, c'est bon, c'est pour ça qu'ils reviennent, mais avant tout, le prix. Ensuite, on a une clientèle de passage avec les différents pôles d'attraction qu'il y a dans notre zone de chalandise, donc Montparnasse. Je parle bien évidemment des cinémas et des théâtres. Donc, ce type de clientèle va rechercher une offre plutôt axée sur le loisir, sur le plaisir. Donc, il faut leur appliquer une autre stratégie de prix avec des plats, on va dire, plus originaux, où il y a une vraie recherche marketing derrière. Et bien sûr, le voisinage. Alors, la force du quartier, c'est qu'il est plutôt bourgeois et les résidents recherchent avant tout la qualité, mais la qualité et le prix aussi. Donc, on va dire que c'est, ils recherchent un bon rapport qualité-prix. Alors, comment faire en sorte de séduire tout ce monde-là? Comment faire en sorte que chaque type de clientèle passe le pas de notre porte sur une simple lecture de prix, de totem, pardon, de totem extérieur, donc le menu qu'on met dehors? Eh bien, c'est là qu'intervient une bonne stratégie de prix. Okay? Donc moi, j'utilise trois politiques de prix qui sont très connues en marketing, que je n'ai pas inventées du tout, qui sont dispersées dans le menu. Je ferai une autre vidéo sur la dispersion des prix sur un menu. Et voilà, bon, je vais vous expliquer ça simplement. Sur 30% de notre carte, là, est appliquée une stratégie de pénétration de marché. C'est-à-dire que nous avons des plats emblématiques de notre thématique. Je parle de, je ne sais pas si vous connaissez la nourriture asiatique, mais je parle des boboons, par exemple, que tous nos concurrents directs ont dans le quartier. Dans le même thème, quand je dis concurrents directs, ben, je parle de concurrents qui sont sur la même thématique, dans la même zone de chalandise. Donc, ils ont tous ce genre de plat également à leur carte. Et sur cette gamme, nous allons appliquer des prix qui convergent avec les différents montants de tickets restaurants pour toucher la clientèle de bureau. Ensuite, là-dessus, nous allons rajouter des apports de valeur, c'est-à-dire notre savoir-faire, la quantité, comme je vous l'ai dit, le marketing. Et un prix ultra compétitif, donc on va toujours jouer au centime près pour être en dessous de la concurrence. Donc cette stratégie, pour être complètement transparent avec vous, était la seule pendant nos 2 ou 3 premières années d'exploitation. L'idée était vraiment de tout de suite s'imposer face à l'énorme concurrence qu'il y avait dans notre zone de chalandise. Et la grande difficulté que nous avons rencontrée, c'est que sur cette politique de prix, en fait, il faut faire hyper gaffe à la rentabilité. Un restaurant plein n'est pas forcément un restaurant rentable.
C'est un modèle économique très fragile. Il faut donc constamment calculer ses coûts et travailler en flux archi tendu pour avoir une bonne visibilité sur le pilotage de l'entreprise. Ensuite, 50% de notre offre repose sur une politique d'alignement. Alors, comme son nom l'indique, les prix sont alignés avec l'ensemble des offres concurrentielles directes et indirectes dans notre zone de chalandise. Là encore une fois, l'idée est de ne pas brusquer le client et de lui proposer une échelle de prix auquel il est déjà familier. Que ça soit un segment midi ou soir, hein. Et enfin, 20% de notre offre est basée sur une stratégie d'écrémage qui consiste à fixer des prix sur une plus haute échelle que nos concurrents directs avec une proposition plus haut de gamme. Alors cette stratégie est relativement nouvelle pour nous. On a commencé avec quelques plats et quelques entrées l'année dernière. Ça a bien fonctionné. La clientèle était en demande, elle répondait vraiment. Ce qui nous a conforté dans l'idée que l'enseigne en avait sous le capot, le concept aussi. Et aujourd'hui, on est passé à 20% de la gamme avec voilà, une nouvelle section qu'on appelle rôtissoir. On a investi dans un super rôtissoir visible à la clientèle. Les viandes qui tournent à l'intérieur sont toutes labellisées, ce qui apporte une vraie valeur à notre proposition. Voilà, donc cette stratégie enrichit l'offre et donne du relief au concept et valorise le concept et surtout nous permet de tester l'élasticité des prix. Et voilà, je dois terminer la vidéo parce que va y avoir du bruit et que le service va reprendre. Pour ceux qui veulent me poser des questions, je vous invite à venir me rejoindre sur mon groupe d'entraide Facebook. On est de plus en plus nombreux. Il n'y a que des restaurateurs, aucun prestataire, ni de start-up, etc. Donc on se parle tranquillement entre nous, entre restaurateurs. N'oubliez pas le petit pouce bleu si vous avez aimé. Et je vous dis tous à bientôt. Je vais encore dire restaurateur. Bah, sur restaurateur, restaurateur.com. Ciao!